Forcément déçu, j'imagine, Xavier, ce soir. Bah oui, que de déception. Les matchs se ressemblent à domicile. Chaque fois, on arrive à ouvrir le score. Aujourd'hui, en plus, à produire du jeu en première mi-temps. Et après, on recule, on subit et on sert l'opportunité de égaliser et de mise au fond. Après, on a essayé de pousser les 5 dernières minutes, mais c'était trop dur. Quelle différence entre la première et la deuxième mi-temps? Bah, je pense qu'on recule, voilà, dans la tête on sait que l'équipe peut égaliser, on n'est pas serein à 100%. Et si tu ne mets pas le deuxième, bah, tu subis et au bout d'un moment l'équipe en face pousse et réussit à marquer. Donc c'est plus inconscient pour toi de reculer, de subir, c'est un peu fébrile quoi. Oui, c'est sûr, de toute façon quand tu joues le maintien, tu sais que tu mènes 1-0, donc il y a les 3 points au bout, donc inconsciemment peut-être que ouais, tu recules un peu. Comme je l'ai dit, bah, tu n'arrives pas à mettre le deuxième et à force de subir, bah, voilà, tu t'es égalisé. Et aussi le rappel des matchs précédents où c'était le même scénario, ça joue aussi dans les têtes, vous y pensez un peu forcément. Oui, bien sûr. On a même parlé pendant la semaine, il faut essayer de régler ça et essayer d'obtenir un clean sheet rapidement pour se remettre en confiance. Le système qui était en première mi-temps, qui était plutôt intéressant, vous étiez plus proche les uns des autres. C'était plus intéressant, tu as trouvé aussi que c'était intéressant dans le jeu? Ouais, c'était offensivement c'était intéressant parce que voilà, on aime jouer, on a des joueurs de ballon. Donc c'est plus facile de se trouver dans les petits espaces et plus dur à défendre pour l'adversaire. On a vu que ça a bien marché. Après c'était un peu plus compliqué défensivement une fois qu'Auxerre a compris et passé par les côtés. Après on est repassé un système qu'on a l'habitude de voir classique. Je sais pas s'il n'y a pas un message à ce moment-là de se dire bah, maintenant on tire le score quand vous passez en 5-4-1. Ouais, bah c'est ce qu'on a essayé de faire, mais on recule, comme je l'ai dit, inconsciemment. Et puis à force de subir, voilà, ils ont l'opportunité et puis ils la mettent au fond. C'est dommage. Question Ronny ce soir. Bonsoir, ouais. En fait, c'est comme une défaite ce soir. Parce qu'on pouvait sortir ici avec les 3 points et on sort avec un point, donc on est très foussé. Vous n'avez pas gardé un score, Ronny, ça fait 3 fois de suite au domicile. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce prédicateur? C'est ça, il faut trouver qu'est-ce qui manque parce que c'est pas le premier match qu'on a, on s'est fait punir comme ça. Et c'est des points qu'on perd qui sont points importants. Et, franchement, il faut voir qu'est-ce qu'on fait pas bien parce que le match c'est 90 minutes et parfois on arrête de jouer. Il faut corriger ça parce que l'équipe, il y a beaucoup de qualité pour faire. Tu jouais numéro 10, qu'est-ce que ça change dans ton rôle, dans ton comportement vis-à-vis de tes partenaires? Oh, ça change un petit peu, mais pas beaucoup quand même, parce que même quand je joue sur le côté droit, je viens beaucoup à l'intérieur chercher le ballon. Après, il faut juste, c'était juste défensivement qu'il faut changer un peu, mais on s'entend bien quand même. Tu sors assez tôt dans le match, alors qu'on avait l'impression que tu étais bien. T'as senti une gêne ou c'est un choix du coach? Non, c'est un choix du coach. C'est comme ça, tous les joueurs, bah, c'est normal qu'on n'est pas content de sortir parce que je sens que je pouvais faire quelque chose de plus pour l'équipe. Mais c'est le choix du coach, il faut respecter. Ce soir, forcément un mauvais résultat. Oui, on est déçus, pas abattus. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce match. Match nul, vous l'avez dit, match nul au niveau du résultat. Sur les situations, vous avez encore ce soir 21 tirs, vous avez 6 cadrés, vous avez plus de situations favorables que notre adversaire. J'ai vu moi des joueurs qui avaient envie d'aller chercher cette victoire, même après l'égalisation. Il y a du positif dans... C'est pas bien, il y a du positif alors qu'on a du mal à gagner. Et voilà, ce qui est décevant ou ce qui nous fait mal ce soir, ce qui nous déçoit, c'est qu'il y a une redondance dans les scénarios où on est capable de mener, on est capable d'aller marquer des buts à notre adversaire et on n'arrive pas à tenir ce score. Pour moi, c'est qu'une question de temps. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Le deuxième but, il était vraiment pas très loin. Il y a un très bon gardien en face qui a maintenu Auxerre dans son match. Et voilà, c'est comme ça que j'analyse ce match. Au deuxième mi-temps, l'équipe a beaucoup reculé sur le terrain. Oui, c'est aussi dû à un adversaire qui doit aller chercher un résultat. Ils ont beaucoup reculé, mais les grosses situations, elles sont encore pour nous. On a Manin Baldé, on a Wilson Odeberg, on a deux énormes situations. Effectivement, à 2-0, le match n'est plus le même. Ça n'a pas été le cas et ça a permis
à Auxerre de revenir. On verra un changement dès la 55e minute, plutôt à Oui, il y avait, alors, pas rentrer dans le détail, mais tactiquement, j'avais besoin de rééquilibrer mon milieu. On avait un peu de mal à, sur la largeur à occuper ces espaces. Alors, vous allez me dire, on n'a pas pris de but jusqu'à la 55e, on les prend après. L'équipe était pourtant mieux équilibrée après. Voilà, sur le but, ça s'est joué sur ce bloc qui a été un peu poreux au niveau du milieu de terrain. Il y a eu de la fatigue aussi, mon côté droit fatigué un peu sur la fin de match. Ça, encore une fois, ça, c'est un scénario assez difficile à expliquer. Je suis convaincu qu'on va finir rapidement un match sans encaisser de but. Je suis convaincu qu'on va aller chercher cette victoire quand je vois le contenu qu'on a offert il y a une semaine à Paris, quand je vois le nombre de situations et l'envie de mes joueurs d'aller chercher la victoire aujourd'hui, ça va venir. Est-ce que ce match nul rend donc le match contre Brest encore plus important ? Tous les matchs sont importants, celui de Paris l'été, celui de ce soir l'été. Moi, j'ai envie que ce stade de l'Aube y voit une victoire. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas gagné ici. Et on est à 14 points en 14 journées. On attend plus et on espère contre à Brest faire aussi une bonne prestation et oui aller chercher des points là-bas.